tu es le Rédempteur. Merci parce que tu es le Fils de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te louer, t'élever ce matin. Alléluia. Minuit chrétien. Pour effacer la terre.
anges t'acclament dans le ciel et l'église t'acclame ce matin. Tes rachetés t'acclament, Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi soit la reconnaissance, Jésus. Reçois l'adoration de nos cœurs, toi le Messie. Merci pour la joie du ciel, Seigneur. Merci pour l'amour, Jésus. Merci pour le pardon, Seigneur. Merci pour ta venue, Jésus. Alléluia, Jésus, Sauveur, Messie. Alléluia. Alléluia. Jésus, Sauveur, Messie. Douce présence, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur Jésus. Un jour dans la présence de notre Sauveur vaut mieux que mille ailleurs ce matin. Amen. Seigneur, quelle joie d'être ensemble avec mes frères et sœurs, avec mes amis, avec cette famille, Seigneur Jésus. Quelle joie d'être ensemble autour de toi, Seigneur Jésus, pour célébrer ton nom, pour célébrer ta venue, pour célébrer ta vie au milieu de nous, pour chanter ta lumière, Seigneur Jésus. Merci pour cette douce présence, Seigneur Jésus. Merci parce que cette douce présence chasse les ténèbres dans nos vies, chasse les mauvaises pensées, chasse les lourdeurs sur nos cœurs, sur nos vies. Merci parce que la présence de notre Sauveur qui est là dans ce lieu fait la différence ce matin. Seigneur, merci parce que tu fais la différence au milieu de nous. Que ta douce présence remplisse ce lieu, Seigneur Jésus. Et Seigneur, mon Dieu, que nos louanges montent vers toi. Et Seigneur, que les anges puissent se joindre à nos louanges ce matin. Nous voulons célébrer ta venue. Alléluia, Jésus. Dans la voie.
Conduit dans ce lieu parce qu'il voit, parce qu'il sait qu'au fond de ton cœur, tu cherches Dieu. Depuis que tu es enfant, tu parles à Dieu et ça vient ni de ton père ni de ta mère. Mais là, intuitivement, tu parles à Dieu et durant tout ton parcours, avec des hauts et des bas, des moments faciles et des moments difficiles, tu t'es toujours confié en Dieu, tu as toujours parlé à Dieu. Et donc Dieu le voit, il voit ton cœur, il voit ton attente, il voit ta recherche des choses de Dieu. Et il te dit ce matin que Jésus est le cadeau de Dieu, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est ton sauveur, qu'il t'a aimé en mourant à la croix, en prenant tes péchés et en te délivrant de la malédiction du péché pour te donner un cœur nouveau. Il t'aime et il te le dit ce matin. Tu as trouvé en Jésus. C'est lui le Sauveur. C'est lui ton Seigneur. Il te tend les bras et il veut te bénir ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons tous... Amen. En Jésus, nous avons trouvé le Sauveur du monde. Alléluia. Les anges l'ont annoncé, les mages, les bergers, des hommes, des femmes de toutes conditions l'ont annoncé et l'annoncent encore. Jésus est le Sauveur du monde. La question c'est, est-il ton Sauveur personnel ? Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Dit la Bible, est-il ton Seigneur personnel? C'est une des grandes questions. En tout cas, j'aimerais qu'on puisse applaudir les musiciens, les remercier pour ce temps de chant, de célébration. On aimerait vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Alléluia. Et nous avons un petit flyer qui s'intitule « Joyeux Noël, Jésus, le cadeau de Dieu ». Voilà, nous aimerions que toute la ville soit remplie de ce message de « Jésus, le cadeau de Dieu ». Ils sont à votre sortie, ils sont gratuits, vous en prenez autant que vous voulez, vous les distribuez autour de vous, vous les mettez dans les boîtes aux lettres. Notre désir, c'est que tout le monde entende. Et je crois dans cette année 2020, plus que jamais, le monde, la société a besoin d'entendre que Jésus est le cadeau de Dieu pour nous sauver. Alléluia. C'est de lui dont les hommes, les femmes ont besoin. Et mon message ce matin sera tout simple. Le petit Jésus dont on parle à Noël, le petit Jésus est devenu le plus grand. Alléluia. Hein? Nul n'est aussi grand que lui, il est devenu le plus grand. Les évangiles, quand on regarde, c'est intéressant, les évangiles insistent sur Jésus petit enfant. Et nous le voyons par exemple dans Matthieu chapitre 2 et verset 9, le texte dit « L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Et donc l'étoile elle-même que suivait les mages va s'arrêter dessus ce petit enfant. Dans Matthieu chapitre 2 verset 11, le texte dit aussi « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de la myrrhe, de l'encens. » Vous connaissez ces choses. Le texte dit aussi au verset 13 « Un ange du Seigneur apparut en songe et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, etc. » En réalité, dans ce récit de Matthieu chapitre 2, avec les mages, on voit 9 fois cette expression « petit enfant ».
Et en grec, je ne sais pas si vous le savez, il y a deux mots. Il y a un mot pour dire enfant et il y a un autre mot pour dire petit enfant. Et c'est vraiment le mot qu'on traduit petit enfant, c'est-à-dire un nourrisson, un bébé. Et il y a comme cette insistance des Écritures pour dire Jésus s'est fait petit enfant. Dieu lui-même s'est fait petit enfant. Par exemple, j'en vois un sur le fond, là, une petite fille dans les bras de son papa. Vous voyez, un petit enfant. Vulnérable, fragile, et pourtant un petit enfant qui n'est pas comme les autres, un petit enfant exceptionnel. Et ce récit des mages nous le montre avec Hérode, qui est le grand roi de cette époque, et on se rend compte qu'il n'est pas un enfant comme les autres, puisqu'il est avec les plus grands personnages de son temps, comme avec aussi les anonymes, les insignifiants. Dans ce récit, on voit que les plus grands s'intéressent à lui, mais qu'il leur échappe. Par contre, les mages qui l'ont cherché et aussi les bergers vont le trouver. Dans le récit de Luc, de l'évangile de Luc aussi, où on a les bergers, le texte dit « Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. » Verset suivant dit « Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. » Et Luc aussi insiste sur ça. Un peu plus loin, là, c'est avec les bergers. Et un peu plus loin, c'est avec Siméon. Il est dit de Siméon, il vint au temple, poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, il le reçut dans ses bras. Et c'est une réalité importante. Dieu a voulu prendre la forme d'un bébé, d'un petit enfant. Dieu s'est fait homme. Il a voulu naître comme un vrai homme. Il a voulu nous rejoindre là où nous étions, là où nous sommes, pour nous sauver. Alléluia. C'est ce qu'on appelle en théologie l'incarnation. Dieu s'est fait chair. Jésus, c'est Dieu lui-même qui a choisi de prendre une nature semblable à la nôtre pour nous sauver. Alléluia. Il ne nous a pas fait la leçon du haut du ciel, mais il nous a rejoints sur cette terre. Il a été homme de douleur au milieu des souffrances de ce monde et dans son incarnation, il a été jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau pour porter nos péchés, la conséquence de nos péchés, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il est passé par la mort, mais il est aussi ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il est vivant pour toujours. Et lui qui s'est fait le plus petit, lui qui a pris la forme la plus petite que l'on peut connaître au milieu des hommes, le petit enfant, il est devenu le plus grand. Alléluia. Et nous sommes heureux en cette année à Noël de rappeler cette vérité essentielle. Dieu nous aime tellement qu'il est venu nous rejoindre. Amen. Et vous savez, le problème, c'est que certains ne s'intéressent à Jésus qu'à Noël. Du coup, ils le voient toujours comme un petit, le petit Jésus, alors qu'il a bien grandi, le petit. Il a bien grandi. Il est resté discret pendant 30 ans, mais en trois ans, il a bouleversé le monde. Et plus de 2000 ans après, nous en parlons encore. Alléluia. Amen. Près de 2000 ans après, nous en parlons encore. Il a guéri des malades, toutes sortes de maladies. Il a délivré les captifs. Il a enseigné comme aucun autre. Un homme pouvait dire en son temps, nul homme ne parle comme cet homme. Et il dit des merveilles. Il a donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il s'est assis dans les cieux. Il est monté dans les cieux. Il s'est assis sur le trône. Il règne en majesté. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Alléluia. Il reviendra régner sur cette terre. Amen. 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 Il est le plus grand que la terre ait jamais pu porter. Plus grand que tous les super-héros, plus grand que les héros de Marvel, de comics, même de X-Men, de Pixar et de tous les héros que vous voulez. Parce que les héros que les hommes inventent, c'est pour du faux. Alors que Jésus, c'est pour du vrai. Alléluia. Hein, dites-le aux enfants qui sont autour de vous. Jésus, c'est pour du vrai. C'est pas de la télévision, c'est pas des images, c'est pas des histoires. C'est pour du vrai. Alléluia. Amen.
est plus fort que Superman et Spider-Man. Même que Hulk. Il n'est pas seulement un homme du passé, il est présent, il agit encore maintenant, il a l'avenir pour lui, il est le maître des temps, il tient tout dans sa main, alléluia, le petit enfant est devenu le plus grand. La grande question, la question, c'est est-ce qu'il est le plus grand pour toi? Est-ce qu'il est le plus grand pour toi? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte plus que Jésus pour toi? Et moi j'aimerais dire, il faut qu'on se dise les choses, vous savez on est gentil, mais la vérité c'est que si quelqu'un est plus grand pour toi que Jésus, dans la réalité de ta vie, tu es un idolâtre et tu as besoin de te repentir parce qu'il est le plus grand. Et la Bible dit qu'il mérite notre adoration, il mérite toute notre vie, il mérite notre consécration, alléluia. C'est pas une petite histoire, c'est la réalité, c'est la vie et la mort qui se jouent avec la place que tu fais pour Jésus. Il ne peut pas mériter la deuxième place. C'est l'offenser que de le mettre en deuxième. Il ne mérite que la première place. Il est le plus grand, mais l'est-il dans ta vie réellement? Déjà, petit enfant, les mages éclairés se sont prosternés. À plus forte raison maintenant, tous ceux qui sont éclairés se prosternent devant Jésus. Alléluia. Sa naissance détermine les temps. En quelle année on est? On est en quelle année là? 2020 après Jésus-Christ. Il est le point de repère temporel du monde. Cette semaine, je parlais avec un de mes fils qui passe le bac et de son programme de sciences physiques. Je lui dis, oh, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Vous voyez, de temps en temps, j'essaie de... Bon, j'avoue que moi, la science physique, j'étais pas très fort. Hein, c'était pas mon... Mais je lui dis, qu'est-ce que tu as appris? Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a interpellé. Il m'a dit, on a appris que l'énergie la plus grande se trouve dans l'infiniment petit. L'énergie la plus grande, sur le plan matériel, sur le plan physique, on apprend ça à l'école. La plus grande énergie, elle se trouve dans l'infiniment petit. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé les étoiles, les montagnes, mais aussi l'infiniment petit? Est-ce que vous ne croyez pas que le Créateur nous a passé un message? C'est dans les atomes, dans les nucléons, à l'intérieur, que se trouve la plus grande énergie que les hommes ont trouvée jusqu'à maintenant. L'énergie atomique, nucléaire. C'est en rentrant par la fissure, hein, si moi je suis pas très fort, je saurais pas bien expliquer, Alain l'expliquerait beaucoup mieux que moi, mais c'est par la fissure nucléaire. Donc en rentrant dans cet infiniment petit, en réussissant à percer le mystère de l'infiniment petit, qu'on trouve la plus grande énergie qui existe sur cette terre. Et moi j'aimerais vous dire, écoutez bien, Dieu s'est fait tout petit. Et c'est dans ce mystère d'un Dieu qui nous aime tellement qu'il a voulu prendre la forme d'un petit enfant. C'est dans ce mystère que se trouve la plus grande des puissances. Alléluia. Si tu viens humblement à Jésus, si tu te fais petit, si tu rentres tout petit dans l'appel de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, la plus grande puissance, la puissance du ciel. Alléluia. Amen. Je finis mon message ce matin. Je lisais cette semaine, j'ai senti dans mon cœur comme un appel de Dieu réellement à relire un livre que j'avais juste feuilleté rapidement qui s'intitule « Ma vie entre parenthèses ». C'est Mathias Grandmar qui l'a écrit. Alors, tac, je vous mets l'image, si j'y arrive. Super. Voilà. « Ma vie entre parenthèses ». Et un livre édité aux éditions Viens et Vois. Il raconte son parcours, comment alors qu'il était dans une vie tout à fait normale, pharmacien, comment il a commencé à souffrir d'une maladie psychotique. Le sous-titre, c'est « Surmonter la maladie psychotique et renaître », un pharmacien chrétien témoigne. Comment il s'est retrouvé en invalidité totale, avec des hallucinations, des voix dans sa tête, aucun avenir positif à vue humaine, comment une crise a succédé à une autre,
comment le drame est rentré dans sa famille, comment ses parents désespérés ne savaient plus quoi faire, comment les médecins eux-mêmes ne savaient plus quoi faire, le bourrant des médicaments les plus forts que l'on ait à notre disposition dans le milieu médical, comment il passait d'internement à la maison, à nouvel internement, pendant plusieurs années. Et puis il raconte comment la grâce de Dieu l'a relevé, comment il est sorti de cette épreuve qui, à vue humaine, était insurmontable. Comment, alors qu'on lui donnait aucun avenir, Dieu lui a redonné un avenir, une espérance. Comment il vit maintenant sans médicaments. Comment les spécialistes lui ont dit, même après qu'il soit rétabli, les spécialistes lui ont dit, vous savez, quand on prend le genre de traitement que vous prenez, c'est au minimum 15 ans de traitement. Et encore, la plupart du temps, c'est à vie. Et lui, il vit aujourd'hui sans traitement, et de manière équilibrée. Et notamment, il y a un détail, moi, qui m'a beaucoup touché. Je voulais le partager avec vous. Il raconte que ça a changé toute sa vision de Dieu. Et il dit, avant cette épreuve, je croyais en un Dieu jamais satisfait. En un Dieu toujours insatisfait. Et il dit, c'est en passant dans cette épreuve que j'ai compris que Dieu n'était pas le Dieu exigeant et insatisfait que je croyais, mais un Dieu de grâce qui m'aime comme je suis et qui se réjouit que je l'aime, même si je suis toujours un être humain insuffisant, pas parfait comme lui. Un Dieu d'amour qui couvre toutes mes fautes de son amour, alléluia. Grand en puissance, grand en amour, Jésus fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Et pour finir ce message, j'aimerais dire, ne désespère pas en cette fin d'année, alors que peut-être tu te sens en décalage avec les paillettes, les lumières artificielles de ce monde, les joies insignifiantes, alors que tu souffres dans l'épreuve, peut-être la solitude dans des temps difficiles. J'aimerais te dire, continue à croire en celui qui peut tout, même si c'est long, même si ça paraît impossible à vue humaine. Crois seulement, alléluia, crois à celui qui est devenu le plus grand et qui peut tout, amen. Confesse sa grandeur et disons ensemble, si vous êtes d'accord avec moi, je reconnais Jésus que tu es le plus grand. Je reconnais Jésus que tu es le plus grand, alléluia. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et juste après ma prière, les moniteurs de l'atelier de la joie, l'école du dimanche vont intervenir, on va leur laisser la place, mais j'aimerais qu'on puisse ensemble s'approcher du plus grand. Et dire, Seigneur, merci de visiter ma petitesse par ta grandeur. Seigneur, merci de ne pas m'écraser dans ma misère, mais de venir me rejoindre. Merci de me donner, de percer le mystère de ton incarnation, de comprendre l'immensité de ton amour qui t'a conduit à ne pas détruire la terre avec tous ses péchés, mais à la visiter, à subir la violence des hommes, à subir leur rejet, à subir leur haine, par amour, pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous arracher à l'insouciance et la folie. Seigneur, merci, merci de visiter notre petitesse par ta grandeur. Amen. Les monos, c'est à vous. C'est la fête. Il y a plein de jouets, plein de cadeaux. Vous avez vu ces beaux arbres de Noël que les filles ont fait? Alors moi aussi, en Noël, j'ai reçu plein de cadeaux. Mais plein de cadeaux. Voilà, on va les ouvrir ensemble. Je commence par celui-ci. On va voir ce qu'on m'a donné comme cadeau. J'ouvre le premier et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Un bonbon, juste un bonbon. Bon, c'est pas mal, merci pour le cadeau, mais j'en veux encore plus, je ne suis pas satisfaite, j'en veux plus.
Hé, il y a un deuxième cadeau. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, quelqu'un a pensé à me faire belle. C'est pas mal. Mais bon, c'est un peu sombre. Je le voulais un peu doré, genre doré. Non, c'est pas bon, je veux plus. Il y en a un autre des cadeaux. Je l'ouvre. Tandam, 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 tandam. De l'argent, les enfants, de l'argent. Je suis sérieux, c'est de l'argent. Bon, trois monnaies. Pas mal. En plus, c'est du chocolat, comme tu l'as dit. Bon, non. Je ne suis pas satisfaite. Mais je veux beaucoup, beaucoup plus. Tiens, un genre, un vrai, vrai cadeau, quoi. Celui-ci, il est orange. Hein. C'est un orange différent du orange. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hé, hé! Le dernier du dernier. Mais bon. C'est doré. Je voulais un doré moins doré, vous voyez? Non, je ne suis pas satisfaite. Je veux beaucoup, beaucoup plus. Genre, qui me satisfait vraiment, qui me remplit pleinement. Ça, c'est un gros cadeau. Hein? L'emballage, il est vraiment emballé. Et là, quelqu'un a pensé à... Qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai pas compris. Ok, ça c'est plein, ça c'est bon. Hein? Je me donne à 100% à Jésus. Ouais. Alors c'est beau les cadeaux, n'est-ce pas? À Noël, la coutume voudrait qu'on s'échange beaucoup de cadeaux. Alors, comme vous l'avez constaté, Carole vient de nous démontrer qu'aujourd'hui, vous pouvez recevoir plein de bonbons, plein de chocolat, vous ne serez jamais satisfait. Et au final, tout ce que vous aurez, c'est une carie. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir comme Carole l'iPhone Pro 12, le dernier des cris, donc la haute technologie. Mais je suis sûr que dans 2 ans, si Noël se représente, vous allez demander l'iPhone 16 Pro, parce que celui que vous avez sera démodé, il n'aura plus toutes les options. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, vous pouvez faire comme Carole, vous recevez des lunettes dorées comme elle les a demandées, super chic, des Porsche, où la pièce vaut 5000 euros. Tout ce que vous allez vous attirer, ce sont des followers. Des gens qui cliquent sur j'aime, sur Facebook, sur WhatsApp, mais à la fin, pas forcément des véritables amis. Vous allez vous ressentir seul parce que la gloire que vous aurez, elle sera temporaire sur terre. Et ce que vous allez faire, c'est vous amasser des amis. Vous serez une star sur terre, mais pas au ciel. Alors, tous ces cadeaux que nous avons vus, ils s'usent avec le temps. Ils se démodent. Ils vous donnent une gloire temporaire. Ils vous font avoir des richesses et des trésors sur terre, mais pas au ciel. Alors les enfants, ce matin, comme le pasteur Tigbo l'a dit, moi je vous propose un cadeau. Et Carole l'a dit, 100% Jésus. Moi je vais vous démontrer que Jésus, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir. Pourquoi? Parce que quand vous recevez Jésus dans votre vie, le Jésus que vous recevez, il est plein d'options. Il a toutes les options et il est... des options inimaginables, même ce à quoi vous n'avez pas pensé. Et il est capable de vous combler au-delà de vos attentes. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le demander à Jésus au travers d'une prière. Et ce Jésus-là, il vous est donné gracieusement
à Noël, ce moment-là nous rappelle sa venue et son sacrifice. Vous savez, Noël, c'est un moment où on s'échange des cadeaux. Maintenant que vous avez reçu Jésus dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez lui donner en retour? Moi, je propose qu'on le découvre au travers d'un verset. Alors, le verset, c'est dans Matthieu chapitre 2, verset 10 à 11. Ça, c'est l'histoire que le pasteur il a racontée des rois mages qui sont allés rendre visite à Jésus à sa naissance. Et ce qu'ils lui ont apporté, ce sont des trésors. Des trésors, c'est ce qui nous est important, ce qui nous coûte. Et ils ont apporté quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, vous, aujourd'hui, je sais, nous tous, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de l'encens, nous n'avons pas de la myrrhe, mais nous avons quelque chose de plus précieux. Notre cœur. Aujourd'hui, je vous demande, en retour, de donner votre cœur à Jésus, les enfants. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à Jésus à Noël. Amen. Alors, comme l'a dit Patrice, Jésus-Christ, il est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité, oui, il vit. Et avant de remonter au ciel, il nous a dit... Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la version Summer précise même et dit, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alors, Jésus est avec nous par son Esprit Saint, par sa parole. Waouh, quelle promesse! En cette année 2020, on a eu... Cette année 2020, elle a été vraiment difficile. Il y a eu beaucoup de désespoir, il y a eu beaucoup de peur. Mais on a une occasion particulière ce matin de saisir la paix, de saisir l'assurance. Et cette opportunité, c'est ce qu'on a dit, c'est Jésus, c'est le cadeau de Dieu. Et ce qui est extraordinaire avec ce cadeau, c'est que c'est Dieu avec nous. Et c'est la promesse qu'on a lue dans ce verset, que Jésus il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'on a la paix, ça veut dire qu'on peut avoir la joie, on peut avoir l'assurance, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances. Et qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on puisse prendre ce cadeau ce matin, pour 2021 et pour l'éternité. C'est en tout cas ce qu'on souhaite pour chacun d'entre vous. Simplement quelques annonces avant de nous séparer, rappelant les règles sanitaires que vous avez remarquées, hein, une rangée est vide, on a bien sûr le masque, on nettoie les chaises en partant, etc. Voilà, comme d'habitude, on est dans le respect du protocole sanitaire. Le parking Laval est à votre disposition, comme depuis un petit moment maintenant, vous avez l'habitude, utilisons-le avec... régularité, comme ça on en profitera longtemps, je pense. Le dimanche, vous avez compris que nos cultes, ils sont dédoublés. Vous avez ici deux sessions et en bas, en parallèle également, deux cultes pour pouvoir recevoir tout le monde. La prière et le ressourcement, donc le mardi soir, on a décalé, au lieu de 19h, on sera sur 18h30 tant qu'il y a le couvre-feu, à 20h, comme ça tout le monde peut venir tranquillement, voilà, bien sûr, c'est en fonction de vos horaires de travail. Jeudi, il n'y aura pas de réunion exceptionnellement le 24 et le 31 décembre. L'étude biblique est en ligne jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est important. Voilà, ne venez pas ici pour l'étude biblique avec Jean-Paul Zolesio. Elle sera en numérique. Jean-Paul a tout le matériel pour se filmer. Et nos cultes sont en ligne aussi sur YouTube à 10h et 19h sur notre chaîne YouTube Église Antibes. Je profite pour vous dire aussi que vous avez les calendriers 2021 qui sont à votre disposition sur la sortie là-bas. Il y a une petite table exprès pour les récupérer, pour les commander.
Merci à tous ceux qui ont participé à l'aide alimentaire. Alors, on n'a pas pu faire de grandes photos, de grandes vidéos, mais par exemple, je sais qu'il y a Kers qui a participé, je l'ai vu sur Instagram. Vous savez que l'église d'Antibes, elle est sur Instagram, on est un peu moderne, hein, vous voyez. Donc, il y a eu des hamburgers faits par toute une équipe qui ont été donnés à des gens dans la rue, qui vivent dans la rue. Des repas chauds qui ont été offerts avec des petites boîtes. Enfin, voilà, vraiment, moi, je suis très touché de voir cette solidarité antiboise et on est fiers de tout ce travail-là qui est fait dans les coulisses. Ouais, on peut applaudir tout le réseau de travail social qui est fait ici, semaine après semaine. La différence, c'est qu'ici, ce n'est pas qu'à Noël que c'est fait. C'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Si vous êtes intéressé par le baptême, n'hésitez pas à venir nous voir. Le tronc, c'est pour les travaux. Et les bâtiments qui, vous avez vu, ont commencé à être élargis. D'autres travaux sont en perspective. On en a parlé hier pour ceux qui étaient présents. Très important pour tous les membres de l'Église, notez dans vos agendas, le 10 janvier... À 15h, il y aura l'Assemblée Générale de l'Église. On a besoin d'une Assemblée Générale avant de commencer les travaux, on va dire, les plus coûteux et les plus importants. Voilà, là, on a juste cassé deux cloisons. C'était déjà du boulot, mais maintenant, avant d'aller plus loin, on a besoin de votre accord. On a deux anniversaires aujourd'hui. C'est Sylvia Martin et notre ami Romain Guérini. Je ne sais pas s'il est dans les parages. Voilà, Romain qui vient d'avoir 20 ans. Voilà, 20 ans. C'est super. Voilà, et on a aussi le pasteur Nicolas Salafranc qui est là. Nicolas, alors aujourd'hui tu es en vacances, on te laisse tranquille, sois béni. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne YouTube, il a maintenant, je sais pas combien, 10 ou 15 ou 20 000 personnes qui le suivent. Allez-y faire un tour, il fait des vidéos de qualité quasiment chaque semaine. Quoi de neuf, pasteur, voilà. De bonnes fêtes de fin d'année à chacun, soyez bénis en famille, on se retrouve très bientôt.